Cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wahdah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-Sheikh Abdussalam ibn Barjis rahimahullahu ta'ala al-a'iq al-sadis al-ghurur wal-ujb wal-kibr. Sixième obstacle, al-ghurur wal-ujb wal-kibr. Après avoir cité At-Tadarruj, la méthodologie correcte pour avancer, celui qui délaisse cette méthodologie, ça sera un obstacle. Limada, il ne va pas connaître At-Tariq, la façon, le chemin pour arriver au but. Fahada, il perdra du temps, et Rabbama, ça sera une cause qui délaisse l'ilm, Rabbama, ça sera une cause qui comprend mal le masail. Et s'égare, yadam billah, fattadarruj, c'est mohim. Après avoir cité hada, il cite hada al-a'iq. Al-ghurur, wal-ujb, wal-kibr. Fattalibu l'ilm, il doit avoir un bon comportement. Parmi les obstacles qui empêcheront ce talib à avancer dans l'ilm, même s'il fait des efforts, c'est le mauvais comportement. Et parmi les mauvais comportements, les plus graves, al-ghurur, wal-ujb, wal-kibr. Aïe l'orgueil. Aïe, se vanter, rabaisser les autres, se montrer, ayyadam billah. Tout ça, c'est des mauvais comportements qui handicapent cet étudiant. Même s'il fait des efforts. Les anna al-ilm, il sera utile bil-amal. Wa hada al-ilm, il nous ordonne d'être modeste, de respecter ton frère, al-muslim, al-sunni. خاصةً si c'est un talib ilm comme toi. Al-ujb, قال بعض العلماء منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله سئل عن مفهوم العجب. C'est quoi العجب؟ أما الغرور والكبر فسيكون connu l'orgueil و إنسان يغتر بنفسه أنهم il aime se montrer, il aime être au-dessus des autres, il a آخره. والعجب, ils ont posé la question à عبد الله بن المبارك رحمه الله الإمام الكبير فقال أن ترى سيكوى العجب أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك أي penser avoir une chose que les autres ils n'ont pas. بعضهم إلى هذا المرض العجب أنه كأنه il y a que lui qui comprend, les autres ils ne comprennent pas. أنه il y a que lui qui peut poser la question à tel cheikh, les autres ils n'ont pas le droit. Anahu, ça doit être lui la référence. C'est ça, al-ujb, ou al-ghurur bin nafs, iyadam billah. Enfin, on fait attention. La tadhon annaka, tu as appris quelque chose, anahu, c'est forcément le haq, et si quelqu'un te contredit, il est forcément à la batil. C'est ça, al-ujb. Écoute ton frère. Khasat ainsi, ton frère, il est à la huda, et kadali qui fait des efforts, fil ilm. Enfin, ne pense pas que tu as forcément raison. Ça, c'est un khata kabir. وقال البشر بن الحارث رحمة الله عليه كما في حلية الأولياء أما الأثر عبد الله بن المبارك رحمه الله ففي شعب الإيمان للبيهقي وهذا في حلية الأولياء لأبي نعيم قال العجب أن تستكثر عملك وتستقل عمل الناس أو عمل غيرك سأسأل العجب سكتو عمل. Même s'il est peu, tu le vois énorme, et le amal des autres, même si c'est un amal, pour toi c'est rien. C'est ça l'ujb. Son frère, s'il fait des efforts, il a akhiré, il lui donne aucun haq. Et lui, il a appris quelque chose, ou il a su, c'est qu'à فكأنه خلاص سلا ريفيرونس كأنه حافظ الزمان كأنه شيخ الإسلام alors que ça reste peut-être un طالب علم débutant si c'est un طالب علم. On fait attention à هذا يا إخوة, et on répète toujours, on n'est pas à l'abri, لأن الشيطان يجري مجرى الدم. Le shaitan, il fait tout pour égarer l'insan. Khassatan talabat al-ilm, il essaie de les égarer avec ce genre de comportement. Qala al-Sheikh Abdussalam, ma'asiyatullah,
تعالى عائقة عن نيل العلم الشرعي لأنه نور الله يقذفه في أفئدة من يشاء من عباده ولا يجتمع في قلب نور وظلمة ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. شيخ عبد السلام يقول هنا أن parmi les plus grands obstacles et entre l'étudiant et l'ilm, c'est الذنوب والمعاصي, les péchés. لماذا؟ لأن هذا العلم c'est du nour. Et les péchés c'est ظلم, شر. Et la lumière et l'obscurité ça se rassemble pas. Enfin, on fait attention à l'ma'asi. Al-ilm c'est pas que le hifz. Al-ilm c'est pas qu'assister aux durus. Al-ilm c'est pas des connaissances. Je connais un tel ou un tel. Al-ilm c'est huda, c'est la guider. Et il faut mettre en application. Ben, si quelqu'un connaît une chose, il fait une ma'asi et contredit cette chose, là, c'est pas du ilm. Même s'il pense que c'est du ilm. بل هذا سيكونتر لوي يوم القيامة. قال ورحم الله الشافعي حيث قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. أبيات جميلة, c'est des vers de poésie جميلة هذه. أن الشافعي رحمه الله s'est plaint auprès de وكيع الإمام رحمة الله عليه سُوءَ حِفْظِهِ, أنه il avait du mal à apprendre par cœur. فَأَرْشَدَنِي وَكِيعِ, il a conseillé à l'imam الشافعي de délaisser les ma'asi, délaisser les péchés. ثم il lui a informé pourquoi. وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ, لماذا؟ لِأَنَّ الْعِلْمَ c'est une lumière, nour. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي, et Allah subhanahu wa ta'ala il donne pas cette lumière, هذا العلم, هذا النور, à quelqu'un qui fait pas d'effort et qui fait des péchés. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de péché là. Al-insan, il n'est pas ma'asoum. Lakin, se laisser aller, ne pas faire tauba, savoir la vérité et ne pas faire d'efforts pour délaisser Adil Ma'asiyah, c'est une cause qui écarte ce talib du il. Wa kam min al-nas, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afiyah wa sitr, ils ont été écartés, ils se sont écartés du ilm à cause de leur péché. Khasatan fitnat al-dunya. Le talib il fait attention. On doit préserver هذه النعمة, ces durus, ces choses que tu apprends par cœur, cet amour que tu as pour l'ilm, ces livres que tu achètes, que tu veux acheter, ces déplacements que tu fais pour l'ilm, tout ça c'est une ni'ma. Ne la minimise pas. Ne pense pas que c'est pas grand chose, c'est quelque chose de azim indallah. Aham shay, sois sincère et fais des efforts et préserve هذه النعمة. Plus que les efforts qu'on fait pour préserver notre argent et la akhir. Lianna ra'su malik, et ton capital fil haqiqa c'est hada at-talab hada al-ilm. Amma l'argent, un jour tu en auras, un jour tu en auras plus. Amma al-ilm fa si tu l'as, fa inshaAllah c'est la cause du bonheur fi dunya wal akhir. Lakin on fait attention au ma'asi, les péchés. قال وإن أقبح ما تلبس به طالب العلم من المعاصي وكلها قبيح التكبر والتعاظم والغرور. Et parmi les plus graves péchés qu'un طالب العلم il peut faire, et comme قال وكلها قبيح, tous les péchés sont mauvais, faut qu'on s'écarte de tous les péchés autant qu'on peut. لكن parmi les péchés les plus graves c'est التكبر والتعاظم والغرور. لماذا؟ لأن البعض ربما ils ne s'en rendent pas compte, ou ils ne donnent pas de l'importance, ou ils pensent que les péchés c'est que boire de l'alcool, la mixité. C'est pas que ça. Talibul ilm, il doit s'écarter kadalik de ces péchés qui sont très très graves. Les malades, les annas, ça touche le cœur. At-takabbur, l'orgueil, wa at-ta'azzum, et ne pas avoir de modestie, wa al-ghurur, ayyadan billah. Et ça se ressemble, fil ma'ana. قال فيزدري هذا ويترفع عن هذا ويتبختر في المشي ويتشدق في الكلام إلى غير ذلك من صفات العجب بالنفس التي نهى الله تعالى عنها في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ف
فنهى الله سبحانه وتعالى عن التكبر dans la démarche كما في سورة لقمان وقال المرح التبختر وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين التواضع c'est مهم pour un طالب علم فبعضهم كما قال الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه يترفع عن هذا صحيح أن البعض عياذا بالله peut-être qu'ils ont commencé à faire des efforts في العلم إما en voyageant إما avec des dourous إما des assises au lieu d'être modeste envers ses frères خاصة العوام qui ne comprennent pas certaines مسائل فبعضهم quelques temps في طلب العلم ثم يبخن les gens de haut ترفع et ربما ils parlent plus de la même manière et ربما la démarche elle change حتى comment ils s'habillent كأنه il est au-dessus des autres et هذا c'est un خطأ كبير طالب العلم ça doit être un مفتاح للخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مغلاقا للشر si tu as compris alhamdulillah ihmadillah tu étais comme cette personne que tu prends de haut l'un peut-être qu'il ne sait pas montre-lui même s'il n'a pas accepté isbir alayh peut-être que tu lui as mal montré peut-être que tu t'es précipité peut-être que c'est toi qui n'as pas compris على كل حال التواضع la modestie c'est un comportement طيب on fait attention à هذا فلهذا لقمان ورضي الله تعالى عنه رجل صالح الله سبحانه وتعالى il a cité son histoire في القرآن بل une sourate entière elle porte son nom il a conseillé à son fils ولا تمشي في الأرض مرحا fais attention à ta démarche صحيح بعضهم طلبة علم et tu les vois فقط la démarche أنه il y a un manque de تواضع لماذا est-ce que t'es mieux que les autres tu sais ce qu'il y a dans son cœur on fait attention والله بعضهم ربما c'est un عامي et بعضهم ils les prennent de haut et Allah سبحانه وتعالى يحبهم pourquoi لأنهم ils sont sincères مخلصون صادقون Pourquoi les rabaisser alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il les aime. Fala yajouz. Ça va changer quoi de prendre les gens de haut, de changer sa démarche. Hatta wa'aduhum talabu al-ilm, même le langage, c'est plus le même. Annahu yadu takalluf. Annahu il veut se montrer, il veut montrer qu'il est éloquent. Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lam ma fil quloub. Tout ça, ça sert à rien. Tout ça, ça fait du mal au talib. Parce qu'il élève, c'est l'ilm ou l'amal. Amma que les gens ils disent que Foulan il a étudié, Foulan il est éloquent, Foulan il s'habille de telle façon, Foulan il a voyagé. Qu'est-ce que ça va faire? Les gens ils vont le dire. Et après, l'essentiel c'est Ridallah. Amma ces gens, Rubbama qui te complimentent aujourd'hui, Bel Bardom, Rubbama ils vont vite exagérer. Hakada, surtout à notre époque. Tu fais un dars, une kalima, une khutba, peut-être que certains ils exagèrent très très vite. N'oublie pas que Haoula, ils exagèrent aujourd'hui et demain, Rubbama, yat'anou nafik. Très très vite, ça change très vite. Pourquoi essayer de les satisfaire ou de les impressionner? قال الشيخ العثيمين رحمه الله عليه une فائدة في لقاء الباب المفتوح. قال رحمه الله بعض طلاب العلم الآن أشفى من العرب أو من الأعراب plutôt. بعض طلاب العلم الآن أشفى من الأعراب. Al-A'rab, c'est ceux qui vivent dans le Badia. Où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé qu'il y a cette catégorie de personnes, en général, ils ont de la qaswa. Ils ont de la dureté. Ils vivent loin de la ville, ila akhir. Al-A'rab. Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi wa sallam, certains tullabs, ils sont devenus encore plus durs que Al-A'rab. Pas durs dans le haq, là. Plus durs dans le comportement, ayyadun billah. Qala, la indahu bashasha. ولا تسليم ولا تواضع. Même le visage, tu le vois, il rencontre son frère كأنه حصل ما أدري. Pas de sourire, pas de تواضع. بعضهم ربما طلبوا العلم un mois, deux mois, six mois. ثم ils reviennent dans leur ville, dans leur pays. Peut-être que parler avec son frère là, كأنه son frère il est pas à son niveau. عيادا بالله. تواضع c'est مهم. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité هذا. فاحمد الله.
Ahmadillah essaye d'être une clé de réussite facilitée à tes frères. Un sourire, Rabbama, ton frère, walillahi alham, ça va l'encourager. Ton bon comportement, c'est une da'wa. Amma wahed, Rabbama, il te connaissait. Tu avais un bon comportement, mais tu pars étudier, tu reviens et tu as un mauvais comportement. Rabbama, shaitan, il te salat alayhi, et il pourra se dire pourquoi j'irai étudier? Regarde comme ça l'a rendu roux. C'est pour ça que le comportement, c'est une da'wa belle, c'est une des plus grandes formes de da'wa fil haqiqa. Bien sûr, sans négliger l'ilm. Lakin le comportement, ça joue un très très grand rôle, khassatan inda l'awam. Al-awam kathir min al-masail al-ilmiya que tu étudieras, ils n'ont pas les capacités de les comprendre. Lakin ils te jugeront directement sur ton comportement. Et ça ne veut pas dire qu'on a un bon comportement pour eux. Là, c'est l'Illah Azza wa Jalla. Lakin Allah amarana qu'on a un bon comportement avec eux. Alimada, ce kibr. قال الشيخ ابن عثيمين بل بعض الناس كلما ازداد علما يزداد كبرا والعياذ بالله. الشيخ ابن عثيمين il a connu cette catégorie d'étudiants انهم كلما يفون des efforts في العلم plus ils font des efforts في العلم plus ils ont de l'orgueil du kibr. والله البعض حتى السلام il ne passe pas à leurs frères كأنهم c'est un groupe à part. Abadan, عند السلف, c'était pas comme ça. Un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il passait le salam aux enfants. Bel, kama ja'a fi hadith, ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Nughayr. Aïe, le frère de Anas, radiyallahu anhu, Umayr, il avait un oiseau, et à l'époque du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il jouait avec un enfant. Il avait trouvé un oiseau, et il jouait ma'at. Et un jour, cet oiseau, il est mort. Et ça a tristé cet enfant. Les enfants, ils sont hakada. Quand ils perdent une chose qu'ils aiment, que ce soit un oiseau ou un jouet, il a arrêté. Un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, c'était Amir al-Mu'minin. Et il avait une dizaine de femmes, alayhi salatu wa sallam, des enfants, une da'wa à gérer, des batailles, il a arrêté. La vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ma'arouf, il s'est arrêté et il a donné du temps à cet enfant. Et il lui a dit, ya Aba Umayr, ma fa'ala al-Nughayr. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cette phrase, ça a rendu heureux cet enfant. Ya Aba Umayr, qu'est-ce qu'il a fait l'oiseau? Fal haqiqa, une minute, ça a dû prendre deux minutes, cinq minutes, et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a continué. Et dans certains hadiths, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il passait le salam aux enfants. Chacun lui donnait son haq. Amma hada talib, il avance fil ilm. Fal haqiqa, il croit avancer. Thumma, il donne plus de haq aux autres, à sa famille, à ses amis, aux musulmans, عموماً, هذا c'est عدم توفيق. Et هؤلاء en général, مع الوقت يفشلون. لأن البركة في العمل, البركة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Et ça montre أن البعض يطلبون العلم pour se montrer. On fait attention. فلهذا الشيخ عبد السلام il a cité cet obstacle. قال الشيخ ابن عثيمين والعالم حقا هو الذي اذا ازداد علما ازداد تواضعا. العالم plus il fait des efforts في العلم plus ça le rend modeste. لماذا؟ لان plus il avance في العلم et plus il s'aperçoit que في الحقيقه il connaît pas grand chose. اما الجاهل, ça arrive beaucoup, les débutants, vu que c'est encore un ignorant et il a appris une masala, il a appris par cœur peut-être ce matin, il a appris par cœur peut-être cette risala, il a compris ce sujet, il pense que khalas c'est cheikh al-islam. Limada li anna il connaît pas grand-chose min al-ilm. Amma al-alim haqqan, plus il fait des efforts, plus il se rend compte que fil haqiqa ça reste si c'est un talib ilm, alhamdulillah. Fal ilm ça éduque al-insan. Wal jahl ça fait que gonfler. Que des tromperies, que des paillettes, fait le haqiq. Wallahu musta'an. Intaha kalam Cheikh Ibn Uthaymeen. Qal Cheikh Abdus Salam, wa fi al-sahihayn, an Abi Huraira radiyallahu anhu, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, baynama rajulun yamshi fi hullatin, tu'jibuhu nafsuhu, muradjilun ra'sah, yakhtalu fi mashyatihi, idh khasafallahu bihi, فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة.
Et هذا المتكبر qui marchait sur terre et كان نفسه تعجبه عياذا بالله. Et il avait de l'orgueil et il aimait se montrer, se vanter. فالله سبحانه وتعالى il l'a châtié بهذا. قال ابن الجوزي رحمه الله أفضل الأشياء التزييد من العلم أو التزيد من العلم فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه فصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة. Et ça c'est très très grave de penser أن الإنسان خلاص il a réussi ou penser أن c'est bon ce qu'il a appris ça lui suffit. Là, Al-Ghurur, il va rentrer. Bel, kullama, on apprend, kullama, fil haqiqa, ça doit nous montrer, anna, on est encore loin. Et on a beaucoup de choses à apprendre. Khassatan, nahnu, à notre niveau. Amma, nahnu, fil haqiqa, celui qui a du kibr à notre niveau, ça contredit ses preuves et ça contredit la raison. L'imad a avoir du kibr. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris par rapport à certains imams, par rapport à certains savants? الحقيقة نحن on n'a pas le droit لا شرعا ولا عقلا. لماذا؟ لأن notre دين il est interdit et on n'a rien pour être orgueilleux, pour se montrer. C'est comme un mendiant qui a du kibr et il veut se montrer, c'est un mendiant, il n'a rien, ça ne rentre pas في العقل. هذا فنحن c'est la même chose, نحن on est débutant في العلم. هذا الباب إن شاء الله il est fermé et on avance et on fait des efforts حتى يفتح الله. قال غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا ما زجه نوع رؤية للنفس حبس أو حبس عن إدراك الصواب نعوذ بالله من ذلك. وصدق علي بن الثابت حينما قال العلم آفته الإعجاب والغضب والمال آفته التبذير والنهب. بيت جميل. العلم آفته الإعجاب والغضب. Ce qui fait beaucoup de mal au ilm, c'est l'i'jab ou l'ghadab. L'i'jab, l'kibr, tout ce qu'on a cité auparavant, l'ghurur, il a akhri, vouloir se montrer l'orgueil, et kadhalik, s'énerver. Ça fait du mal au ilm. Alors, Bama, tu gardes pas ton calme, tu t'énerves, tu patientes pas, et tu assistes plus au cours de ton shir. L'imada, l'annahu, Bama, il t'a fait une remarque. Ou tu patientes pas, Bama, à l'faqr, la pauvreté, et tu délaisses l'ilm. L'insan, il doit patienter. وَهَكَذَا avec le mal. وَالْمَالُ أَفَتُهُ التَّبْذِيرُ وَالنَّهْبُ. Le mal, ce qui fait du mal au mal, c'est le fait de gaspiller. قَالَ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِ رَحِمَهُ اللَّهِ يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَضَعَ التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ تَوَضُعًا لِلَّهِ. يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَضَعَ التُّرَابَ. Et certains salaf, ils le faisaient. Non, ils mettaient du turab sur leur visage, tawadu anillah, pour montrer à Nahu, ça reste un bachar. Naam, l'insan est tawadu. Ta'iman, la modestie, c'est un khuluq, azim, que ce soit pour talib ul-ilm, que ce soit pour le père de famille, que ce soit pour l'imam, que ce soit pour al-muslim, chaque muslim, at-tawadu, la modestie, c'est un khuluq tayyib. Wa man tawadu alillah, rafa'ahu Allah. بعض الجهال pensent que en étudiant l'ilm et en se montrant ils font certaines causes pour s'élever eux-mêmes. فلهذا بعضهم يشانج leur démarche, بعضهم يشانج leur façon de parler, leur façon de s'habiller, ils veulent pas s'habiller comme les autres. Et que pour eux être à part, ils pensent que c'est ça qui va les élever. Wallahi, c'est pas la tenue qui élève et c'est pas la façon de parler qui élève. Abadan, ce qui élève c'est tawadu. العلم فرض زفاف في العلم التواضع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه الله. Celui qui est modeste pour Allah, Allah il l'élève. Et سيرة السلف il y a beaucoup d'exemples في هذا. وقالوا أي بعض الأئمة المتواضع من طلاب العلم أكثر علما كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. C'est un مثال جميل. أن celui qui a le plus de علم parmi les étudiants, c'est celui qui est le plus modeste. Et ils ont donné comme image, comme exemple, المكان المنخفض. Un endroit, مثلا une crevasse, elle va
l'eau elle va se rassembler dans cet endroit, contrairement à l'endroit élevé. Maintenant, le pic d'une montagne, tu ne trouveras pas d'eau. L'eau, elle descend. Hakada al-ilm. Celui qui se rabaisse, fabi idnillahi azza wa jalla, il acceptera les conseils. Il se remettra en question. Il se corrigera. Mais celui qui veut se montrer, il n'accepte pas. Il a du kibr. Il croit que les conseils, ça doit venir que de lui. Il n'y a que lui qui doit montrer. Il n'y a que lui qui sait. Hakada, il est comme un endroit qui ne retient pas l'eau. C'est la même chose. Et l'eau, on a, c'est l'ilm. Qala wa qila li hakim. من نعمة التي لا يحسد عليها صاحبها قال التواضع وقيل له فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه قال العجب اي صحيح العجب c'est une maladie très très grave الشيطان هلك à cause de العجب والغرور يغتر بنفسه pourquoi الشيطان il s'est égaré cet égarement ولا لم مبين il est sorti من الجنة Il est sorti min Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui pardonnera pas. Matroud min rahmatillahi azza wa jal. Pourquoi? Al-ghurur. Il a pensé qu'il était meilleur que Adam. Alors que Adam, il est afdal min. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi Adam comme nabi. Il a pensé qu'il était meilleur. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Il a pensé qu'il était mieux. Hatta fi jinsi, annahu il a été créé de feu. C'est quoi qui l'a poussé à sa perte? Est-ce que c'est le manque de ilm? Là, Iblis, il savait très bien. Il a entendu l'ordre d'Allah. Usjud lima khalaqtu bi yadayya. Il savait. Est-ce que c'est le manque de ibad? Là, il était considéré min al-ubbad. Hatta il avait atteint un niveau, il était avec le malaïka, fil jannah. Enfin, c'est quoi qui a fait du mal à Iblis? C'est pas le manque de ilm, c'est pas le manque de ibad. Abadan, ce qui lui a fait du mal, c'est le manque de tawadu. Il voulait se montrer, il n'a pas accepté en Allah, il lui ordonne de se prosterner pour Adam. Il n'a pas accepté. Iyadan billah, il s'est égaré. قال شيخ عبد السلام فليحذر الطالب من هذه الصفات الذميمة التي يمقتها الله ويمقتها المؤمنون فإن من تواضع لله رفعه وضده من لم يتواضع لله سفل صحيح. Donc on sait la solution a'zamul asbab avec l'ikhlas, avec le dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala il t'élève akhi al-karim, c'est le tawadu. Ma kana al-abd wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhiya. Tu veux qu'Allah il t'élève, aide ton frère. Wa ba'duhum iyadan billah, rubbama ils ont appris une chose ou ils ont acheté un livre ou ils savent qu'il y a tel dars et ils ne veulent pas partager aux autres. Il faut que ça reste que pour eux. Ça, c'est très, très grave. Ça, c'est très, très grave. Et ça arrive. La tabunnoun. Wallahi, ça arrive. Pardon, ils ne veulent pas montrer aux autres. Hatta, il n'y a que eux. Ils ont cette exclusivité. Les madhali, les anahoum, ils avaient un passé de certaines choses. Et ta'atharou, et ful ilm, ils ont mis les mêmes choses. Là, l'ilm, c'est du partage. L'ilm, c'est le bayan. Peut-être que si tu es la cause, un afoulan, il a appris cette chose, tu as la même récompense. Amma, les cercles fermés, restreints, et on ne partage pas, ça c'est un manque de tawadu. Isma' ce kalam de Cheikh Abdussalam, il va faire une nasiha jamila, et il va mettre en garde contre ha'oula, et ceux qui ont ce mauvais comportement. Qala, falihdhar, ou qara'na, wa idha haddatathu nafsuhu bishay min dhalik, falyadhkur ma'alahu wa masirahu wa liya'lam, أن هناك من هو أصغر منه سنا وأكبر منه علما. Après avoir cité la maladie, le danger, l'orgueil, العجب, الغرور, رحمة الله عليه, il cite la solution. لأنه on n'est pas à l'abri. خاصة في بداية الطلب. والشيطان يجري مجرى الدم. الإنسان قد يحصل له شيء من هذا أو son نفس le pousse à هذا أو des choses dans son cœur أنه il voit du monde أنه Quand ça t'arrive, Akhil Karim, et on n'est pas à l'abri, applique cette nasiha, les jamila. فَلْيَذْكُرْ مَآلَهُ وَمَصِيرًا N'oublie pas d'où tu viens et où tu vas. En Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé à partir de rien, et كَذَلِكَ أَنَّا tu finiras sous terre, et tu auras des comptes à rendre. Ah, là, ça va te remettre à ta place, بِإِذْنِ اللَّهِ قَالْ وَلْيَعْلَمْ كَذَلِكَ une autre chose, أَنَّ هُنَاك مَنْ هُوَ أَصْغَرْ مِنْهُ سِنًّا وَأَكْبَرْ مِنْهُ عِلْمًا كَذَلِكَ Remets-toi en question, Anna,
فالحقيقة, tu connais pas grand chose. Si tu as appris quelques hadiths, فعلم أن بعض الطلاب, بعض المشايخ, بعض الأئمة, ils en connaissent des milliers. Si tu as étudié un livre, فعلم أن البعض, ils ont étudié des centaines. Si tu as acheté quelques livres, فعلم أن البعض, ils ont une maktaba كبيرة جدا وهكذا. دائما tu te rappelles de هذا. Et فالحقيقة, et on a déjà cité cette faïda كثيراً, أن ce qui pousse et ce qui aide le talib à être modeste, c'est de lire la biographie des salafs. Il y en a, les efforts qu'ils ont faits, on ne les fera jamais. Illa an yasha Allah. Que ce soit fil hifd, que ce soit fil amal, que ce soit fil safar, fil rihla, que ce soit fil julous, inda al ulama, que ce soit fil at tawadu', c'est incomparable. Enfin, en lisant, en revenant à sirat haoula, ça va te pousser à être modeste. Amma le ba'd, Allah subhanahu wa ta'ala waffaqahum, ils ont voyagé et ils ont étudié, et rubbama ils reviennent dans leur pays, et leur pays c'est un pays de jahl, et les gens ils sont pas hawl al-ilm la akhira, enfin, ça les pousse à l'orgueil, ça les pousse à l'orgueil, limadha li'anna il est entouré de haoula. Enfin, c'est pour ça que l'ulama il conseille, reviens à sirat al-salaf et essaye d'être une porte de bien pour haoula. Qala رحمه الله وقد بلينا أي ابتلينا في هذا الزمن بشرذمة قليلة. الشرذمة c'est الطائفة, un groupe قليلة ولله الحمد. أما كثير من طلبة العلم ولله الحمد, ils sont à la خير, ils sont modestes et ils ont un bon comportement, الحمد لله. لكن on appuie نحن sur هذا, لماذا؟ لأن الشيخ عبد السلام il l'a cité comme obstacle. أما الخير il est حاصل, لكن ce groupe, et certains étudiants qui ont un mauvais comportement, قال يقرؤون كتابا أو كتابين ويحفظون مسألة أو مسألتين ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب يصبحون مجتهدين. الحقيقة هذا صعيب من الجهال, طلبة علم لكن ils sont encore débutants, ils ont pas beaucoup de علم. فكما قال, ils ont étudié un livre ou deux livres, ils veulent ناقش tout le monde. Une مسألة ils ont étudié, ou deux مسألة ils ont compris, ils veulent naqash tout le monde. Et le kibri rentre, et al-jidal, ou al-niqash, et ça revient plus à ahl al-ilm, ça écoute pas, ça se précipite. Hatta ba'adhum, ils arrivent, iyadam billah, mitl al-khawarij, antum rijal, wa nahnu rijal. Hakada, al-khawarij, ils se sont égarés. À l'époque, quand ils se sont égarés, al-khawarij, il n'y avait personne, min ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma'ahum. Et ça suffit pour montrer leur égarement. Les anna, ils seraient à la haq, il y aurait des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, quand ils ont sorti le khawarij, il y avait encore des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et autres. Enfin, au lieu de se remettre en question, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, hum rijal wa nahnu rijal. C'est des hommes et nous on est des hommes. Kibr wa ghurur. Wa ba'duhum l'an, c'est la même chose. Ya akhi, ne te précipite pas. Ya akhi, reviens à l'ilm. Ya akhi, tu viens de débuter. Al masail, c'est pas comme ça. Même si le ba'd, ils le disent pas avec l'issan al maqal, ils le disent avec l'issan al ha. Et le comportement, il prouve هذا. Ça vient de quoi هذا? Un manque de tawadu. Al insan, il fait attention de ne pas croire annahu khalas, il maîtrise des sujets. Annahu, il a compris. Annahu, il a plus besoin de revenir aux autres. Là, revient à ahl al-ilm. Khassatan quand la mas'ala est khilafiyya, et personne min ahl al-ilm a dit ton qawl. Hada al-hal, i'lam anna, c'est une porte d'égarement qui est ouverte. Et remets ton avis en question. Bal, idrib bihi ala al-ha'it, ton avis, jette-le contre le mur, hada al-hal. Li'anna al-haq qadim. Et al-haq, il a toujours existé, wa lillahi al-hamd, fa l'insan, il fait attention. C'est un bab khatir. Qala, وليتهم يقتصرون على هذا الخيال الكاسد بل يستصغرون غيرهم من العلماء بل طلبة العلم والدعاء صحيح أن مع هذا some of the comportement et some manque de modestie ça les pousse en général يستصغرون العلماء. C'est pour ça que كثير من الناس quand ils étaient ignorants ils respectaient les ulama. Cheikh Fulan wa Cheikh Fulan wa yuhibbunahum. Tu trouves là-bas, ils يطلبون العلم ثم quelque temps طعن. Alors que l'alim, c'est le même. L'alim, c'est un sunni, il est pareil. Rubbama, il est mort.
Et tu trouves le ba'd yataghayyarun. Limadha? Li'annahum, soi-disant, ils ont ouvert les yeux. Ils ont ouvert les yeux. Ala dhalal, na'am. L'insan, il fait attention. Ulama, c'est l'ulama. On n'a pas une croyance annahum, ils sont affaïb, ma'asumun, abadan. Lakin, al-adab et al-tawqir al-ulama, ou al-ihtiram, ou al-tawadu, et on ne se précipite pas. لماذا لأن سجن دو بيرسون الآن كما قال الشيخ عبد السلام ثم بعد يوم أو يومين un jour deux jours et c'est une façon de parler et un temps très court ça peut être un mois deux mois six mois في العلم on doit faire attention en six mois خلاص on revient plus aux efforts des imams de la sunna 40 ans 50 ans في العلم on fait attention c'est pas من باب التواضع هذا c'est من الغرور. Et Shaitan, il essaie de nous égarer min hadha al-bab. Anna, on a compris, khalas, la. Qala, wa yarawna li anfusihim makanan aliyan la yassil ilayhi ahad. Anna, ils pensent qu'ils ont atteint un niveau que personne ne peut atteindre. Yadhhar dhalik ala malabisihim wa mashihim wa kalamihim fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cheikh Abdel Salam, yaqul anna hadha ça se voit dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de marcher et dans leur façon de parler. Un manque de tawadu. L'insan y a tawadu et on fait attention kadalik de ne pas faire partie de ce genre de personnes. Ils ont appris une mas'ala, khalas, ils veulent absolument la montrer. Ça, c'est pas minat tawadu. Al-ba'd matalan, ils ont assisté à un cours, ou ils ont lu quelque chose, khalas, ils veulent absolument le montrer aux autres. Pas mimbab anna, je vais te le montrer pour que ça te soit utile là. Et il veut montrer qui c'est. Et là, c'est très grave. Là, tawadu, ce que tu as lu, Rubama, certains l'ont lu bien avant toi. Enfin, si tu as compris, alhamdulillah, si tu as une faïda, fanote-la. Propage-la. Amma, vouloir te montrer un nakatusé, là. Ça, c'est minash shaitan. Comme minannas, ils connaissent des fawaïd. Lakin al-ujv, ça donne hada. Comme il dit, annahum, ils pensent qu'il n'y a qu'eux qui lisent, il n'y a qu'eux qui écoutent, il n'y a qu'eux qui connaissent, et les autres se déségarent, ils ne veulent pas le haq. Ça, ce n'est pas minat tawadu. La chakana, wa'adunnas, ils font partie de Ahl al-Ahwa, ils ne veulent pas le haq. Lakin, fais attention, akhil karim, de ne pas tout mélanger. Et de ne pas accuser bi-ghayri haq. Ça, c'est très très grave. Qala, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa ma a'zam adhararuhum wa aqal naf'uhum wa amtan jahluhum nas'alu Allah ta'ala an yahdiyahum sawa'a as-sabil. Ma'a hadha kama qala shaykh al-salam wa ma a'zam dararuhum. Ils font beaucoup de mal. Pourquoi? Li'anna ba'd an-nas quand ha'oula ils ont un mauvais comportement, pas de salam, pas de sourire, rubama ils prennent les gens de haut, rubama ils rabaissent, ba'dhum ils parlent très mal au nom du ilm. Au nom de Ad-Da'wa Salafiyya, ils font beaucoup de mal. Thomas, tu trouves Ba'd al-Juhal, Masakin, ils n'ont pas de témise, ils disent, mais regardez, un tel il a fait, et hum, ils mettent tout le monde dans le même sac. Enfin, Ad-Darar, il est kabir. Comme Minannas, ils ont fait du mal à une da'wa tout entière à cause de leur comportement. Ba'dhum, ils ont un mauvais comportement, et Yaruddoun, soi-disant à l'Ahl al-Bid'a, et ils pensent que ça lui autorise d'avoir un mauvais comportement, d'être injuste. Thumma, il fait du mal à tout. Même si à la base, le rad c'était haq. Et la personne qui était mise en garde, elle était à la batil. Lakin, il fait du mal à tout le monde. Qala, wa aqal naf'uhum. Et kadalik, le fa'ida, le qalila ma'a ha'oula. Tu les trouves la drousse, wa la ta'awun. Et pas grand chose pour l'ilm, fil haqiqa. Fitan, qil, wa qal. Qala, wa amtan jahluhum, nas'alu Allah ta'ala an yahdiyahum sawa as-sabil. Na'am. On fait ad-du'a pour ha'oula. Et si quelqu'un connaît des personnes mitla ha'oula, al-nasiha et al-bayan, et il leur montre, la'alla yastafidu. Qal wa ila ha'oula asouq fadlan nafisan l'ibn al-jawzi rahimahullah, haythu yaqul intaqadtu ala akthar al-ulama wa al-zuhad annahum yubtinun al-kibr فهذا ينظر من موضعه وارتفاع غيره عليه وهذا لا يعود مريضا وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه والعجب كل العجب ممن يرى نفسه أتراه بماذا رآها. أي نعم الجوزي كن سي هؤلاء
Ibn Jawzi fait partie par rapport à nous, mais al-mutaqaddimin. An-nabadhum, à cause de le kibr, il ne visitait pas son frère malade. Peut-être que son frère, c'est un ami, un jahil, il n'a pas son niveau fil'in, fait, il ne le visite pas. Limada li annahu, il faut qu'il visite des gens de son rang. Iyadam billah. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé de rendre visite aux malades musulmans. Ben, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu visite à un yahoudi, mimbab al-da'wa. Pourquoi li annan Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il pensait, et son objectif, c'était da'wa. C'est pour ça qu'il a visité un juif. Amma ceux qui pensent qu'à eux, enfin peut-être son frère musulman, il ne va pas le visiter. Limada li annahu, il pense à lui. Peut-être que si les gens ils entendent ou ils le voient, il a visité Foulan, qu'annahu c'est un rabaissement. Et la récompense, Einahi. Celui qui pense à la récompense, il ne regarde plus les gens. Celui qui oublie la récompense, il pensera qu'aux gens. Et leur récompense, elle met, annahum, ils ont dit sur lui, ils ont dit sur lui. Qala, in kana bil'ilm, faqad sabaqahu al-ulama. Wa in kana bil-ta'abud, faqad sabaqahu al-ubbad. هذا جميل يعني لا سيتي ولله الحمد قال ابن الجوزي رحمه الله أتراه بماذا رأها أي pourquoi il pense qu'il est mieux que les autres et il a de l'orgueil et عجب إلى آخره قال ابن الجوزي est-ce que c'est بالعلم est-ce qu'il pense qu'il a beaucoup de علم c'est pour ça qu'il pense qu'il est mieux que les autres قال ابن الجوزي إن كان بالعلم si c'est العلم فقد سبقه العلماء si c'est بالعلم فسache que les savants ils ont précédé. Et tu n'arriveras jamais au niveau de l'imam Ahmed, de l'imam Shafi'i, de l'imam Malik, de Sheikh al-Islam, illa an yasha Allah, azza wa jalla. Si c'est l'ilm. Si c'est l'ibada, wa in kana bit-ta'abbud, faqad sabaqahu al-'ubbad. Si c'est l'ibada, tu as fait beaucoup d'ibada, la ta'tar bi nafsi. Des gens, ils ont fait plus que toi, mieux que toi, avant toi. Ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. As-salaf, bel même des gens de notre époque. Bel, rubbama des gens de ta ville, de ta famille. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et wa'ad al-nas, ils ne se montrent pas. Lakin, ils font des ibadat chez eux, ils font des efforts que personne ne connaît. Enfin, c'est pour ça qu'on ne doit pas rabaisser les autres. On rabaisse le bid'a ou le mubtadi'a. On rabaisse le kufr ou le kafir. S'ils ne veulent pas écouter, ils combattent l'islam, ils sont conseillés. On les rabaisse. L'imad, l'anna, ça fait partie de notre dîn. Mais ton frère, il veut le haq. Un musulman, il fait des efforts. L'imad, le rabaisse. Aide-le. Si te dépasse, c'est biqadarillah. Et te dépasser ou pas te dépasser, tout ça c'est minash shaytan. On est des frères. Aham shayna ta'awun. Qala, wa qila, aw qabla hadha na'am. Ila an qal, man talamma, wa man talammaha khisal nafsihi wa dhunubaha, alima annahu ala yaqin min adh-dhunub wa at-taqsir, wa huwa min hal ghayrihi ala ash-shak. Falladhi yuhadhar minha al-i'jab bin-nafs. ورؤية التقدم في أحوال الآخرة والمؤمن الحق لا يزال يحتقر نفسه. إيه نعم. On fait attention de هذا الإعجاب بالنفس. Et penser أن خلاص on a réussi. ورؤية التقدم في أحوال الآخرة. On sait pas هذا. الأعمال بالخواتيم. Et ça c'est une autre solution qui va nous aider à nous rabaisser au حق, à être modeste. Même si t'es à la خير, même si t'as appris aujourd'hui, demain tu sais pas. Ça pousse à penser au lendemain et on n'est pas à l'abri. Qala wa qila li Umar ibn Abd al-Aziz radiyallahu anhu in mutta nadfunuka fi ghurfati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit à Umar ibn Abd al-Aziz, c'était Amir al-Mu'minin à son époque. Et ils lui ont dit, si tu meurs, est-ce qu'on t'enterre à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aïfil Madina, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à côté d'Abu Bakr et Umar radiyallahu anhu. تأملوا هذا الإمام. Pourquoi il a atteint ce rang élevé? فقال لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. أي il a dit si, أي vaut mieux pour moi que je meure avec tous les péchés, sauf le shirk. لأن الشرك ça fait sortir de l'islam. أي je reste un musulman, لكن avec tous les péchés que de penser que je mérite d'être enterré à côté du prophète صلى الله عليه وسلم. Alors que c'était Amir al-Mu'minin, il aurait pu donner cet ordre. Lakin, c'était Amir al-Mu'minin, c'était Amir Salih, Taqi, Alim, min ulama al-Sunnah, rahmatullah alayhi. Qala fi tahdhib al-ahya, wal kibru bil-ilm, wa huwa a'zam al-afat, wa aghlabu al-adwa, wa ab'aduha an qabul al-ilaj, illa bi shiddatin shadida, wa juhdin jahid. وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله عظيم عند الناس وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما
صحيح. C'est pour ça que c'est très très grave. لأن العلم c'est محبوب عند الناس. Ça a plus de valeur que la beauté, que l'argent. Enfin, celui qui a du ilm, s'il ne fait pas attention, ça peut l'emmener à sa perte plus que l'argent et la beauté. Bardenas, ils retarderont à cause de leur mal. Bardenas, ils retarderont à cause de leur jamal, leur beauté. Enfin, ils ont eu de l'orgueil là. Lakin al-ilm, c'est plus important que hada. Enfin, on fait attention, que ça ne nous pousse pas à dépasser les limites. قال ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين. On ne pourra pas repousser ce kibr qu'avec deux causes. قال أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره من العالم فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش إذ لم يقضي نعمة الله عليه في العلم. أولا أن هذا العلم في الحقيقة c'est une hujja contre nous si on ne l'applique pas. Contrairement au jahil. Al-jahil peut être excusé de beaucoup de choses. Il ne savait pas. قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Si il ne sait pas, il peut être excusé يوم القيامة. أما celui qui a du ilm, ça peut être contre lui. فلماذا الكبر et l'orgueil. Peut-être que cet ignorant, que certains pensent أنه il n'a pas le même rang qu'eux, il ne vaut rien, et ils le prennent de haut, il a avéré, peut-être que يوم القيامة il sera sauvé. Et صاحب العلم, peut-être que ça sera une hujja contre lui, il ne sera pas sauvé. Ah, ça pousse à la modestie. العلم c'est une ni'ma, mais il n'y a pas que ça. العلم avec l'amal, avec le tawadu. Et on a déjà cité, un parmi les premiers qui iront fil jannah, ça sera celui, une catégorie de personnes qui ont appris le Coran et ne l'ont pas mis en pratique. Ils avaient du ilm, le Coran c'est du ilm, mais ça a été d'aucune utilité. Et tu trouves mille al-muslimines qui ne connaissent pas grand-chose, ils rentreront, walillahi l'hamd, fil jannah, sans passer par an-nar. Thaniyan, qala, anna al-alim ya'rif anna al-kibr illa yaliq illa billah azza wa jal wahda. وأنه إذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيضا. صحيح. الله سبحانه وتعالى هو المتكبر. Pourquoi essayer, عياذا بالله, d'avoir du kibr alors que on lit le hadith, قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى العز إزاري والكبرياء ردائي. الكبرياء c'est من صفات الله عز وجل. Ça pousse l'insan à n'avoir il est modeste. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le mutakabbir. Limada? Li'annahu c'est l'aziz, c'est le qawi, c'est le khaliq, c'est le jabbar. Il fait ce qu'il veut, azza wa jal. Amma nahnu on est des ibad, dhu'afa. Allah il nous a créé à partir de rien. Une petite chose ça peut nous rendre malade. Une petite chose on peut oublier tout ce ilm. Wahad qui a hafad tant de hadith, qui a hafad le Quran, qui a fait des durus. Une petite maladie, rubbama t'oublie tout. فلماذا الكبر؟ قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا كذلك ça pousse à la modestie. الله سبحانه وتعالى يدتست المتكبرين. الله سبحانه وتعالى il aime pas العباد qui ont du كبر. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة. Celui qui a mithqal dharra, quelque chose de très petit, min kibr. Faqala ar-rajul inna ar-rajul yuhib an yakun thawbahu hasanan wa na'luhu hasana. Un homme quand il a entendu Abdullah ibn Mas'ud ou quand il a entendu un Nabi sallallahu alayhi wa sallam citer ce hadith, faqala li Nabi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul ay l'être humain, l'homme et la femme, كذلك, ils aiment bien avoir des bons vêtements. كذلك, na'l, hasana, na'l, c'est des sandales. Avoir des bons vêtements, des belles chaussures, probablement une belle monture. فالرجل, il a cité هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. Et est-ce que ça fait partie du kibr? فقال النبي صلى الله عليه وسلم, إن الله جميل يحب الجمال. Allah, il est جميل. يحب الجمال. الجمال c'est la beauté. Allah il aime la beauté. Enfin, celui qui prend soin de lui, qui met des beaux vêtements, la propreté, العناية بالنظافة إلى آخره, ça fait partie en rien du kibr.
Et Cheikh Abdus Salam, il a cité Had à la fin, et c'est Tayyib, pour bien montrer c'est quoi le kibr. Talibu ilm qui s'habille bien, qui a une belle monture, مثلا, à notre époque une voiture, qui prend soin de lui. Hada, ça n'a rien à voir avec le kibr. Bel Allah, subhanahu wa ta'ala, il aime Hada. Lakin, c'est quoi le kibr? قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. C'est ça le kibr. C'est pas le fait de bien s'habiller. بطر الحق أي رده. Rejeter le haq. C'est ça le kibr. وغمط الناس قال شيخ عبد السلام غمط الناس احتقارهم. Rabaisser les autres. C'est ça le kibr. Pourquoi tu rabaisses ton frère? Est-ce que tu es meilleur que lui? Ma tadri. Est-ce que tu auras une meilleure fin que lui? Ma tadri. Tu sais pas. Enfin, pourquoi le rabaisser? Il s'est trompé, montre-lui. Il a fait une erreur, montre-lui. Il ne sait pas, enseigne-lui. Pourquoi le rabaisser? Kadhalik al-haq. Pourquoi le rejeter? Pourquoi بعض الناس rejette le haq? C'est le kibr. Il ne veut pas admettre un ahou, je ne sais pas. Ou il ne veut pas admettre que cette faïda ou ce haq, il vient d'un tel. C'est ça le kibr. Amma talibu ilm, il s'habille bien. Il prend soin de lui. Wahid, il lui montre quelque chose qu'il ne savait pas. Il dit barakallahu fik, ayn al-kibr. Et il يتعامل مع الناس بتواضع. أين الكبر؟ فالكبر سهذا. C'est ça. بطر الحق وغمط الناس. أي rejeter la vérité et rabaisser les autres. C'est ça le kibr. فالعناية بالأخلاق. On fait des efforts dans le bon comportement. On a une mas'oulia. On a une mas'oulia. Et on doit faire des efforts avec nos frères, s'entraider معهم avec un bon comportement. Et quand on a des faiblesses, لأن on n'est pas à l'abri, on se corrige. Et نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والسداد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.